connaissez-vous Duke Nukem? Pour ceux qui n'auraient pas grandi avec un PC dans leur jeunesse, Duke Nukem, c'est ça. Shake it, baby. Shake it, baby. Musculation, filles faciles, porno, violence, flingue et bien sûr les extraterrestres. En bref, c'est le jeu de mon enfance. Et d'après la rumeur, il est aussi sorti avec un autre célèbre personnage de jeux vidéo. J'aime écrire des descriptions Tinder qui sortent de l'ordinaire. Je propose lors de mes coachings des descriptions 100% personnalisées pour mes élèves et qui sortent de l'ordinaire, afin qu'ils se fassent aborder par les femmes. Mais certaines personnes persistent à croire qu'une description sur Tinder est inutile et que seules comptent les photos. Dans cette vidéo, je vais vous prouver qu'une description peut justement grandement faciliter l'obtention d'un rendez-vous avec une femme. Pour cette expérience, j'ai donc repris la description de Duke Nukem que vous pouvez retrouver tout simplement sur sa page Wikipédia. Un ami m'a mis au défi d'avoir des rendez-vous en utilisant cette description de Duke Nukem. Mais avant de commencer, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture toute récente de ma communauté privée, la première communauté de France 100% dédiée aux sites de rencontres. J'y organise régulièrement des webconférences d'analyse de profil, de conversations Tinder, Happn, Adopt un mec bien sûr, et bien d'autres. Pour postuler et rejoindre notre communauté, vous trouverez le lien en description de la vidéo. Retournons maintenant sur notre profil de Duke Nukem. Voici la description que j'ai utilisée au titre de cette expérience, qui reprend le contenu de la page Wikipédia. Mick a un caractère susceptible et rancunier et se fie avant tout à ses instincts primaires. Il règle la plupart des problèmes par la violence et la force. En dehors des filles faciles et du porno en général, Mick ne semble pas s'intéresser à grand chose. D'ailleurs, lorsque la Terre est envahie, Mick se soutient surtout du fait que les extraterrestres veulent lui prendre ses gonzesses. Bien que Mick soit narcissique, machiste et vulgaire, toutes les femmes qu'il rencontre sont séduites. J'imagine que vous êtes curieux de voir ce que ça va donner, on va voir ça tout de suite. Shut up, bitch. Alors, globalement, les réactions furent extrêmement positives, ce qui n'a pas manqué de me surprendre. Je m'attendais à me faire lyncher par la plupart des nanas qui croiseraient mon chemin, finalement, c'est l'inverse qui s'est produit. La grande majorité des femmes ont réagi extrêmement positivement à ma description et se sont carrément mises à envoyer la phrase d'accroche. Alors, bien sûr, toutes les femmes ne réagissaient pas aussi positivement. Il y en a une, notamment, qui m'a carrément insulté et lynché, et avant que je puisse prendre un screenshot pour le mettre sur la présente vidéo, la conversation a été supprimée puisqu'elle m'a tout simplement bloqué. Shut up, bitch. Voici maintenant une conversation exemple de ce que j'ai pu obtenir. Ici, vous voyez ma phrase d'accroche qui est contextuelle, tout simplement. J'ai réutilisé une photo où on la voit avec son chien. J'ai corrélé cette photo avec le chien avec la frame de Duke Nukem, donc il dit Duke Nukem Team Arme à Feu. Du coup, j'ai créé un opener contextuel. Suite à cet opener, elle rentre dans mon délire puisqu'elle répond sur la même tonalité en parlant d'arme à feu, ce qui signifie que l'opener a fonctionné. Après l'opener, étant en confiance, je me décide à aller un peu plus loin dans la provocation en parlant de mon gros calibre. Le gros calibre étant, vous l'aurez compris, mon gros calibre. I've got balls of steel. Encore une fois, elle réagit très positivement en disant que c'est à vérifier. Ensuite, elle me fait un petit test par rapport à ma description puisque elle a visiblement apprécié la description mais souhaiterait s'assurer qu'elle provient bien de moi. D'où la question qu'elle pose, qui est une question de test. Sur cette question, je réponds en faisant une sorte de boutade finalement, donc je dis que j'ai pas osé poser avec une photo avec l'arme à feu, tout en la rassurant que c'est bien moi. Donc, dualité, humour et sincérité. Ensuite, je réutilise quelques phrases qui proviennent de Duke Nukem, donc je suis là pour mâcher des chewing gum et rencontrer des gens cool. Time to kick ass and chew bubble gum. Et je lui fais un petit compliment en lui disant qu'elle a l'air bien sympathique. Suite à cela, elle me répond que je n'ai pas l'air sympathique, mais par contre que je l'intrigue. L'intrigue étant un signe d'intérêt de la part d'une nana, donc ce qui est très positif. What a pussy. Je lui réponds que je vais prendre ça pour un compliment et que même si mon cœur est dur comme pierre, je le prends comme terre. Le terme dur comme pierre faisant référence évidemment à la conversation Duke Nukem. Suite à cela, elle me répond qu'elle non plus n'en a pas, donc pas de cœur visiblement. Et elle commence à proposer toute seule de me donner son numéro sous le prétexte que l'application Tinder galère sur son téléphone, qui est un prétexte régulièrement utilisé par les femmes qui n'osent pas demander directement le numéro de téléphone. À suite
suite de cela, autre test, puisque visiblement cette dame a l'air relativement grande et elle souhaite s'assurer que je sois quelqu'un de grand, tout simplement. Je lui réponds avec de l'humour, donc en lui disant que ça me convient, et pareil, je ressors des phrases de chez Duke Nukem en parlant de tirer au fusil sur des extraterrestres, et je la rassure sur ma taille, puisque je mesure vraiment 1m95. Et je lui dis, en la testant un petit peu à mon tour, puisqu'il faut pas toujours que ce soit la femme qui teste, que je mettrai sa taille de déesse à l'épreuve. À la suite de ça, j'obtiens son numéro. Maintenant, à vous de poster les défis que vous souhaitez que je réalise sur Tinder. Par exemple, pourquoi ne pas imaginer une description à la Franck Ribéry ou encore une description façon Marlène Schiappa. Postez en commentaire vos défis, je choisirai alors le défi le plus intéressant et je ferai une vidéo dessus. Je reviens sur quelques-uns de vos commentaires. Merci à toi Seb Sebou pour ton commentaire très élogieux qui fait très plaisir à lire. Alors je te rassure, les descriptions, on en parle un petit peu dans cette vidéo et je ferai également une autre vidéo plus tard spécifiquement dédiée aux descriptions. Merci Dadou quelque chose. Oui, effectivement, j'ai enfin lancé ma chaîne et je suis très heureux, très content que les premières vidéos te plaisent. Merci également à Thomas, super vidéo, merci. Je te remercie d'avoir souscrit au service de mémoire, c'était l'ebook de ma précédente vidéo. Enfin, dernière chose, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne car c'est grâce à vous que la chaîne peut se développer.